Bonjour à tous et bienvenue dans la League of History, j'espère que vous allez bien. Alors, juste un petit mot vite fait là sur le nouveau launcher Badass, qui n'est pas encore sorti, hein, qui va sortir, il est sur le PBE pour le moment. Alors, nous voyons, donc c'est pour la saison, saison 15, la saison 5. Alors, le monstre qui est devant, je pense, c'est soit Rek'Sai, ce qui m'étonnerait vu sa tronche, c'est Nocturne. Alors Nocturne, enfin je pense, ou un nouveau champion. En tout cas, nous pouvons voir, non je pense que c'est... Je pense que c'est Nocturne. En face, nous avons Panthéon. Nous voyons sa lance plus son bouclier avec son armure. Nous sommes pratiquement sûrs, 95% que c'est Panthéon. Et le rayon qui frappe l'ennemi d'en face. Donc je pense qu'il se fait aider par Léona, puisqu'il n'y a que Léona, ou sinon un nouveau champion encore, qui est capable d'utiliser les rayons du soleil pour attaquer un ennemi. Jusque-là, ça ne faisait que l'endommager. Alors, l'endommager, entre guillemets. Alors que là, ça le transperce. Est-ce que c'est une refonte de Léonard? Bon, je sais pas. Bref. Ou un autre jeu sur la carte qui feront plus tard. Bref. Mais je pense qu'il est aidé par Léonard. Alors, quelques petits mots par rapport à Léonard et Panthéon qui sont très rattachés. Pas en couple. Je pense pas. Mais très rattachés, puisqu'en fait, je pense que la bataille se passe sur le mont Targon. Mont gargantuesque. Allez voir sur mon site internet la carte de Valoran. Donc la bataille se passe là, je pense. Et en fait, sur le mont Targon, il y a le clan de Panthéon qui s'appelle le clan des Raccords, qui est un clan un petit peu comme le film 301, si vous avez vu, des Spartiates qui sont entraînés que pour la guerre. Et à côté, nous avons le clan de l'Iron du Soleil. J'allais dire de l'Iron Solaris, mais bon, c'est exactement pareil. Le clan des Solaris, donc le clan de Léona. Et donc, ces deux clans qui sont extrêmement rattachés et qui ont combattu ensemble des guerres. Alors voilà, c'était tout simplement un petit mot pour dire ça, ce qui se passait sur ce launcher. Je vous laisse profiter de la musique, à très bientôt, salut, bye!